Yo, bonjour tout le monde, on est reparti sur le petit compte. Donc le compte c'est un compte Arkix, free to play, donc gratuit de jouer, on ne joue pas, on ne joue que l'Arkix. Enfin si on joue, mais je veux dire on n'achète pas, on n'achète pas, c'était ça que je voulais dire. On a un petit coffre à ouvrir, on a plusieurs coffres à ouvrir également, donc je vous propose, on va tout faire là. En termes de deck, on est sur ce deck là, donc je vais vous expliquer un petit peu, on resitue le deck, on resitue, on ouvre les coffres et pop. Après on part sur des combats. Donc pour l'instant on est à 76-0, donc on va toucher du bois pour que ça reste comme ça serait bien. Enfin que ça parte en victoire évidemment. On cherche de la bûche, on cherche de l'Arkix, on cherche de la boule de feu, on cherche des archères, on cherche des squelettes, on cherche du chevalier. Ce qui me semble assez légitime, assez sympa, assez logique, hein. Alors le petit coffre simple, mousquetaire, mortard, non ben non. Allez, de l'or, de la horn, du... Non! Non! Pourquoi double géant? Non, non, ça on n'en veut pas, hein. On n'en veut vraiment pas, ni du mortard, ni du bomber, ni du sorcier. Oh, mais c'est hallucinant! Mais c'est n'importe quoi! Oh, non, je repars! Aucune carte qu'on joue! Aucune carte! Simplement aucune carte! Incroyable! Sorcier? Non? Hallucinant! Hallucinant quand même! On n'a rien de ce qu'on veut, quoi! Mais non! Zéro carte qu'on joue? Voilà, il va forcément y avoir un truc. Un peu de squelette, ok. Non, c'est pas possible. Ah, le jeu fait en sorte qu'on ait un équilibre de cartes, c'est-à-dire que quand on demande des cartes, du coup on les a pas dans les coffres, ça marche comment? C'est pas possible. Je me suis jamais senti aussi unlucky, quoi. Genre, pas chanceux. C'est fait, quoi. Bah, ok, on a rien eu, bah, c'est génial. On a eu de l'or, hein, heureusement. Bon, on va monter le chevalier. On monte le chevalier, il devient 8, ça devient un gros chevalier, un chevalier steak, un chevalier qui a fait un peu de muscu. Ça, ouais, c'est pareil, on pourrait le monter au 6, mais rien d'intéressant. Donc, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus, hein, simplement. On a des petits esprits de feu qu'on a pu passer niveau 9, donc on a fait quelques 2v2, voilà, mais rien d'exceptionnel. Bah, c'est parti, let's go tryhard, let's go s'amuser un petit peu. Ça, c'est pas mal. Donc, on a game over, niveau 7, donc potentiellement un tryharder, parce que niveau 7, là, 2300 trophées, commence à être un petit peu vénère, le joueur. Alors, on a le chevalier, l'Arkix, le fut barbare. On va attendre de voir ce qu'il décide de faire. Ok. On va juste faire ça. Mettra peut-être un fut barbare avec, on verra bien. Zéro dégâts. On défend. On défend. Là, il a l'élixir, donc il va se défendre, évidemment. Allez, défends-toi. Non? Ok, il se défend, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il le fasse pas. Faut juste mettre des archères. J'ai mis base. Ouh, j'ai mis super base. C'est pas très intelligent, ça. Ok. C'est pas grave, hein, ça marche aussi. Hein, mais... Allez, c'est parti. Meganite! Oh, Meganite! Le méga chevalier du fond de map. Alors lui il va nous faire mal, hein, le petit Mega Knight. On va devoir défendre avec notre T2. J'ai une idée, on va faire ça. C'est pas avec Emily, regardez comme c'est une bonne idée. Brûle! Brûle! Ouais, il a brûlé. C'est bon. Ça passe. Ok, fuite barbare. Ça va, pour l'instant ça va. Pour l'instant on est bien. Pour l'instant on est tranquille. Les choses se sont passées. Heureusement pour nous, il a mis Mega Knight en fond de map. Le Mega Knight en fond de map. On a les. On peut. Ah bah, on peut finir la tour. Bah voilà, très bien. Finissons la tour. Je vais archer parce que j'ai pas envie de me prendre de dégâts ici. Voilà, c'est bête, hein, mais. Ça marche aussi. Alors là, il a un petit avantage en élixir. Cependant, on a une TDE. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est plutôt pratique, même si elle est encore niveau 7. Hein, elle est un petit peu bébé. Elle est un petit peu jeune. Elle a pas encore vraiment vécu, mais elle reste quand même une bonne carte. Alors, chevalier. Fond de map. Honnêtement, faisons ça. Il va B-Dragon à gauche? Ah non, il est sorti là-bas. Si, c'est mon B-Dragon. Ouh! Je l'attendais, c'est mon B-Dragon. Ok. Oh, la TDE! Ah, la TDE! La TDE! Mesdames et messieurs, je vous présente la tour d'enfer. Non, bumper! Non, oui, c'est bon, tu meurs. Ah non, non, arrête! Brûle! 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 Ça, c'est bien ça. Oh, un pêcheur! Ah, bonjour, pêcheur! Ah, bah, salut, toi! Coucou! Non, non.
Pas de dégâts, pas de dégâts, on est pas d'accord. Allez, esprit de feu! Non! Non! Ma torée! La torée! Elle a encore en vie! Oh non, c'est pas sympa ça. C'est pas sympa, franchement, c'est pas sympa. La torée est toujours en vie là. Et notre passe royal, on en fait quoi du passe royal? Rien ne va plus. Bon, petit coffre en argent, on va le débloquer tout de suite, évidemment. Il sera débloqué dans 3 heures, mais bon, voilà quoi. Et on est reparti. Niveau 5! Oh mon dieu, ça va être un tryharder de fou lui. Oh, il va être chaud. Ah, oh, ça va être cool. Ah, j'ai hâte. J'ai envie de tourner contre un gros tryharder. Ah, ça va être bien ça. Alors, okay. Chevalier, fuite barbare, boule de feu. Ok. Survie, elle survit. Okay. Ok. Oh non, je l'ai raté! Je l'ai raté. C'est pas grave. Ok. Bon, ça coûte cher, mais c'est pas grave. On a le temps, nous. On n'est pas pressé. On est clairement pas pressé. Alors, on a quoi? Tour de l'enfer, fuite barbare. Bah ben voilà, fuite barbare. Voilà une bonne occasion de cycler notre fuite barbare. Mais c'est parfait, mais c'est très bien. Bon bah, Arkix, hein. Arkix tous les jours. Qu'as-tu à nous opposer? Qu'as-tu à nous opposer sur Arkix? Ok. On entend. On entend ton play. Je sais pas si on est spécialement d'accord avec ça, mais on est d'accord. Enfin, on entend en tout cas. Là, t'as plus beaucoup l'élixir par contre. Donc, tu vas devoir, ouais, tu vas devoir bébé dragon. Mais l'élixir commence à se faire rare. Là, il se fait très rare. Par contre, l'Arkix. L'Arkix, lui. Lui, il envoie les patates. Lui, il se fait plaisir, l'Arkix, au bout de feu. Mais c'est parfait, on va recycle un Arkix. Je vous propose qu'on attende d'être à 10 d'élixir. Là, on envoie les esprits de feu. On envoie l'Arkix. Et là, on a le fuite barbare s'il veut nous mettre quelque chose. Ah, j'aurais dû sacrifier une archère. C'était plus intelligent de sacrifier... Oh, est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est un bon play? Je pense que c'était pas un bon play, mais c'est pas grave. Parce que là, s'il nous fuit de gobelin, on va devoir défendre le squelette, ça va être triste. Ouais, on va être chagrin. Mais bon, c'est pas très grave. Ok. Bon, juste un petit chevalier. Allez, ouais, esprit de feu, ils sont revenus. Ok. Ça tombe. Il a l'armée de squelette à droite. On prépare le... Allez, on va faire ça déjà, parce qu'il va mettre l'armée de squelette, là, on le sait. Il va vouloir mettre mini P.K. aussi. Non? Rien de tout ça? Rien de tout ça, mon ami? Ah, voilà l'armée de squelette. On l'attendait, l'armée de squelette. Bon, l'Arkix, il va évidemment défendre de l'autre côté, hein. C'est quelqu'un de bien, il défend partout, l'Arkix. Non, 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 pas de dégâts sur un tour! Oui, ouais, c'est bon. Ok, bon chevalier, ça. Ok, il est un peu loin, le feu. Donc, bah, évidemment, voilà. Ok. Ça passe, ça tient, boule de feu défensive, oui, c'est bon, on est présent, et la roche chez lui, hein. Roro Albo, il est chaud, hein, parce qu'il niveau 5 quand même, hein. Respect à lui, hein. c'est pas mal, 78, et pendant ce moment dans la vidéo, on fera les 4, on va faire les 80 quoi qu'il arrive, allez, voilà, c'est dit, on va essayer de faire les 80 quoi qu'il arrive, oh, et du coup, on passe le palier, on a les coffres plus rapides, et je crois que c'est armé le golem de glace, ça, oui, on pourra avoir du golem de glace à sa arène, et ça, c'est pas mal du tout. Allez, on ouvre lui. On ouvre le petit palier. Alors, de l'or, de l'esprit de glace. Alors, ça, c'est pas mal aussi. Pas mal du tout. Du zap, ok. Non, ça, par contre, on en veut pas, mais c'est pas grave. On aimerait bien de la bûche à un moment ou à un autre. Ça serait sympa, quand même. Une petite bûche, voilà. Un petit truc sympa, une bûche. Tout le monde est d'accord, une petite bûche. Ça fait toujours plaisir, une petite bûche. Fine, niveau 8. Là, on est par contre sur quelqu'un qui a un gros niveau de tour de roi. On a l'inverse, on est plus sur le niveau 5, on est sur le niveau 8. Alors, chevalier, TDE, ok. Par contre, là, je suis pas trop d'accord, parce que ça va connecter. Oh! Ah, ma tourée, elle a pris le tarif, là. Allez, je fais ça, je m'en fiche. Okay. Non. Non, 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 tu nous as mis un tarif, laisse-nous y répondre légèrement, hein. On te dit ce qu'on en pense. Ok. Ah, le bruit de l'Arkix, ouais, faut que je vous montre le son du jeu d'ailleurs. Voilà, vous avez le son du jeu plus haut. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait mis Valkyrie. On défend ou pas? Non, on défend.
Oh là, non, 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 Archer, vite! J'ai d'autres collés à toi ou pas? Non, 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 oui! Ah, les sapeurs, ils font peur, hein, ils font peur, les sapeurs. Il faut être réactif, hein, sur les amis et sapeurs. Ok, bon, toi. C'est sympa, mais tu vas plutôt venir milieu de map. Voilà. Ok. Alors, toi, tu te fais défendre. Et bah, ça va être le moment de remettre un Arc-X. Quelqu'un de sympa, quoi. C'est parti. C'est parti, les amis. Oh, il avait le dragon là-bas. Super. Qu'est-ce qu'il a sur notre Arc-X? Ah, ok. Esprit feu, j'aurais dû mettre 8 fois plus vite. Ah non, j'ai raté le dragon. Je croyais qu'il allait prendre l'aggro. Oh là là, l'erreur. Oh, l'erreur dramatique. Dramatique. Vraiment dramatique. Bon, c'est pas grave, on a gratté à droite. Hein, mais... C'est quand même triste. C'est quand même vraiment chagrin. Alors, il a plus de gobelins, donc ça peut aller très très vite. Hein. Faut faire attention. Faut vraiment pas. Voilà, faut pas se reposer sur les lauriers. Je vais bluffer, hein, tant pis. Non, je veux pas. Je veux pas tout ça. Là, t'as ton fuit de gobelin en main, tu vas le mettre, c'est sûr. Ok. Je te connais, hein, je te connais, Filou. On a pas su un petit Arc-X, nous. Ah, mes squelettes? Oh, ok, je voulais pas def comme ça. Hein. Je voulais pas faire ça! Arrêtez! Arrêtez! Ah, non. Ok, c'est pas grave. On perd pas la tour de droite, c'est le principal. Ici, bon, on va rebouffer, hein, tant pis. Non, non, tu le connectes pas. Oui, non, arrête, arrête. Eh, on a des options défensives ou pas? Est-ce qu'on a un deck défensif? Je suis pas sûr. Allez, viens là. Viens te faire auxir, petit vieux dragon. Tout va bien se passer. Ok. Oui, ça défend! La maison tient! Oui. Ah. Let's go. Let's go. Le 119, allez, si on le fait. On a une game de faire le 80-0. Ça serait vraiment beau, le petit 80. L'Arc-X, ça fait quand même plaisir. Qu'est-ce que c'est qu'il faut en jouer comme archétype? C'est un archétype, j'ai vraiment envie de le train à mort et de vous partager mais le meilleur gameplay possible en 2.9. C'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer, quoi. L'Arc-X, c'est la folie. C'est le feu. Christian 2089. On a chevalier, petit squelette, fuite barbare, esprit de feu. Ok, qu'est-ce qu'on fait en. Ouais, je vais mettre des esprits de feu au pont, je crois. Oh non, pas ça! Pas un arche magique! Ah, ça peut être trop lourd. En vrai, ça peut vraiment être lourd. What? Non, mais arrête-toi! Ok, par quoi il va l'accompagner? Ok, il l'accompagne avec ça. C'est important de pas le rater, celui-là. Pas vous mentir. Ok. Alors, là, les codes de dégâts commencent à être posés à gauche. Hein. Ça, c'est parfait. À droite, on a le chevalier qui défend parfaitement le dragon. C'est fou, ça. Hein. C'est fou. Oh non, tu pas, le tue pas. Chasseur, arrête. Meurs. Meurs, chasseur. Ah, il est niveau 9. What? Il est niveau 9. Ah oui, d'accord. Hein. Ah oui, d'accord. Non, non, fais ce que tu veux. Autant prendre un. Hein. Je croyais que c'était niveau 9. Ah, non, mais un chasseur niveau 9, ça se respecte. Hein, ça, c'est sûr. Un truc comme ça. C'est pas ouf. C'est pas incroyable. C'est pas dingue. Mais ça fait l'affaire. Il est agressif en face, hein. Calme-toi. Ça va bien se passer. Ah oui, d'accord. Il a armé de queue, tu vois. Bon, on va lui laisser la maison alors. Vas-y, pas de soucis, vas-y. C'est pas grave, tant pis. J'ai compris. Tue mon Arc-X, vas-y. Non! Non! 89 HP. Okay. Ouais, je vais laisser connecter full, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je préfère garder pour son molosse. Enfin, vous avez compris l'idée, hein. Je préfère garder les réponses pour le gentil molosse. Ok. Ah, c'était pas grave. Franchement, honnêtement, j'ai pas fait des plays de malade là. C'est pas grave. C'est pas dramatique. Bon, tant pis, j'ai T2. Voilà, T2, ça va permettre de gérer tout ça. Si Molosse, il pourra pas en vrai. En vrai, il va pas pouvoir Molosse. C'est ça qui est intéressant. C'est que là, ma T2, elle permet de protéger tout le monde. On peut te défendre. Ah merde, je l'ai mis super haut. Il y a rien à voir. C'est pas grave, on prend la tour. Ça passe, ça passe. Même si on fait des petites erreurs, ça reste léger. Hein. Le principal, c'est de réussir à avoir pris ces bâtiments, évidemment. On va continuer à def.
Ah oui, tu fais ça toi. What? Mais fais pas ça. Calme-toi. Ok. Bon bah ça va, ça se passe bien. Let's go, le 80-0 qui passe. Juste, ouais non. Non, non, je voulais, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps malheureusement. Son petit fil gobelin du fond de la map, là, on a tout vu. On a tout vu le filou. Oh, on a le choix. Ah ouais, esprit de glace, bien sûr, esprit de glace tous les jours. Ça, on le met dans notre Arc-X. Alors pour l'instant, on joue les esprits de feu parce que bah, on les avait débloqués avant, évidemment. Mais arrive un moment, on va au fur et à mesure pouvoir remplacer. On a surtout hâte d'avoir la bûche. Ça va faire une énorme différence. Parce que là, vous avez pu voir, je suis barbare 7, tour en faire 7, évidemment. C'est pas la folie, c'est pas incroyable. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Évidemment. Ah, j'ai pas bien joué. Voilà, 80, 80, ça fait plaisir. L'Arc-X, free to play, c'était aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre, mettez, oui, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, évidemment, ce que vous en pensez, etc. J'espère que vous avez kiffé, je vous souhaite à tous une excellente journée.